Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je vais vous présenter des smart games. Alors les smart games, c'est des jeux individuels. Donc c'est top, voilà, pour que voilà les enfants ou même adultes puissent jouer en autonomie. Moi j'adore la logique, donc c'est des jeux que j'adore et que je fais moi-même. Donc du coup voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc vous voyez, format hyper pratique au niveau voyage. On peut l'emmener partout. C'est top. Donc vous avez à partir, donc c'est des jeux là qui sont à partir de 6 ans, donc pour une personne comme je vous ai dit. Donc voilà comment ça se compose de pièces. Donc là celui-là il est, donc on en a des différents parce qu'il y a des niveaux différents. Celui-là c'est le Puzzle Pro où vous allez pouvoir faire des pyramides, des choses en structure. Donc le Smart Game est vendu avec un petit bouquin comme ça. Hein. Et dans le petit bouquin vous avez... Bon, je vais passer ces explications. Hop, vous voyez, vous avez des niveaux. Voilà. Alors, ces niveaux, ils vont être de plus en plus durs. Ça, c'est facile, junior, expert et vraiment très expert. Dans celui-là, vous avez aussi une variante à l'envers en diagonale. Donc, vous avez toujours pareil, le même principe de difficulté. Et après, vous avez des variantes en 3D. Donc en gros, en fait, hop, pour vous expliquer, donc là, vous basculez dans votre couvercle, comme ça, vous avez vos pions, vous ne les perdez pas. Voilà, alors je vais vous faire celui-là. Hop, donc il faut que vous mettiez sur... dans le jeu exactement comme indiqué sur... Donc là, je vous ai pris un niveau facile. Donc les enfants adorent, enfin moi j'ai mes neveux et nièces, ils adorent y jouer. Dans la voiture, c'est top, quand on part en voyage, on ne sait pas quoi faire. Donc vous voyez, sur l'image, vous avez donc les pions et c'est à vous de compléter ce qui reste. Avec les trois pièces qui restent, il faut que vous arriviez à tout compiler pour faire en sorte que bah, tout rentre et arriver à finir en gros, le casse-tête. Ouais. C'est juste pour le principe. À la fin, vous avez quand même les solutions. D'accord? Si vraiment vous êtes bloqué, vous avez des solutions. Les débuts sont assez faciles, je dirais. Après, on a la fin, c'est vraiment... Enfin, moi, voilà, comme je vous ai dit, j'adore y jouer. Putain, la fin, c'est un peu ardos, quoi. Donc après, il faut aimer ce genre de jeu. Mais si on aime un petit peu les casse-têtes et tout, c'est vraiment quelque chose qui est top. Donc voilà pour les smart games. Donc là, on a celui-là qui est IQ Pro. Vous avez le Fit. Voyez-vous, c'est des... Elles sont en relief direct déjà. Voilà. Et après, vous avez... Là, c'est le dernier qu'on a rentré au catalogue qui est top. Vous avez des petites étoiles. Voilà, qui ont toutes des formes différentes. Et toujours sur le même principe, vous avez... voilà. Là, bon, c'est très facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup et ça va vite être rempli. Mais vous voyez, à la fin, il n'y a vraiment qu'une seule couleur qui est indiquée. Donc, à vous de retrouver déjà juste la première, dans quel sens il faut la mettre ou pas. Voilà, donc voilà les petits smart games qui font enfants et adultes à partir de 6 ans, qui s'emportent de partout en voyage. Vous voyez, hop, c'est top.